إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, avant toute chose, je vous souhaite donc la bienvenue pour cette troisième rencontre donc, des vendredis de l'IESH. Donc, je voulais également vous remercier puisqu'on a déjà commencé à avoir, par le biais de notre page Facebook, à avoir un retour de ces deux premières conférences qui, alhamdoulilah, dans l'ensemble, sont très positives. J'espère que vous continuerez à nous faire part de vos remarques concernant cette rencontre, donc des retours d'expérience qui nous aideront, Inch'Allah, dans l'avenir encore, nous améliorer, Inch'Allah, afin que, puisque vous êtes, alhamdoulilah, faites l'objet de notre attention très particulière, et donc nous voulons dans l'avenir, Inch'Allah, faire en sorte que ces rencontres soient encore plus attrayant pour vous, Inch'Allah. Donc je rappelle donc l'objectif de ces rencontres, c'est bien en fait que ce soit ouvert non seulement pour les étudiants de l'IESH, mais aussi pour les personnes qui sont de l'extérieur également, qui puissent venir donc trouver un espace où ils peuvent échanger, où ils peuvent donner leur opinion, ils peuvent venir donc écouter des conférences d'intervenants qui interviendront durant tout au long de l'année, tous les vendredis de cette année, Inch'Allah, dans trois pôles que j'avais donc déjà rappelés dans les premières conférences, à savoir le premier pôle qui est celui de l'islam, donc avec divers sujets concernant l'islam en lui-même. Ensuite, des sujets qui peuvent concerner la spiritualité et la prédication. Et donc, en troisième pôle, les sujets concernant les dossiers de l'islam en France et donc les sujets qui concernent notre réalité française. Donc nous avons eu déjà une première rencontre avec l'Akh Abd Hakim qui était très intéressante, et la semaine dernière avec Cheikh Ahmed Jaballah. Il y avait énormément de monde, c'était très intéressant, les débats étaient très animés, il y avait beaucoup de questions, beaucoup de remarques. J'ai dû même arrêter puisqu'il se faisait tard. Inch'Allah, on essaiera de
on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on vous laisse encore plus de temps pour que vous puissiez nous donner vos impressions, vos questions et vos remarques, Inch'Allah. On fera l'effort d'aller dans ce sens-là, Inch'Allah, à l'avenir. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jamel Al-Amri, qui va nous exposer ce soir une conférence qui a donc pour intitulé « L'homme post-al-mouadien dans la pensée de Malik ibn Nabi ». Inch'Allah, le frère Jamel, il est donc licencié en marketing et communication. Il est diplômé en études islamiques au CERCI à Saint-Denis. Il a également fait ses études en langue arabe ici à l'IESH de Paris. Il a fait un an chez nous ici. Il a également une licence, une JASA en études islamiques aux 3IT, donc à Paris. Et actuellement, il fait deux masters, c'est bien cela, deux masters. Il a un master 2 en études islamiques aux 3IT et également un master en civilisation musulmane à l'université ouverte de Catalogne à Barcelone. Donc il a écrit également, je vous invite à aller lire ses articles que j'ai lu moi-même, qui sont très intéressants. Il a écrit plusieurs articles, notamment sur Safir News. Il a fait plusieurs conférences également sur Malik ibn Nabi et sa pensée. Et donc il a traité divers sujets concernant justement les dossiers de l'islam en France, notamment par exemple celui des carrés musulmans par exemple. Il est le fondateur également d'un club de réflexion, European Muslim Change, dont le lancement est prévu en 2012. Je lui laisserai peut-être l'occasion de pouvoir un peu plus développer s'il veut le faire. Et il est initiateur également du mouvement Muslim Pride de lutte contre l'islamophobie et de l'islamo-paranoïa. Voilà. Donc je vais, Inch'Allah, maintenant lui laisser la parole. Ensuite, je vous laisserai à vous la parole pour que vous puissiez nous donner vos remarques. On prendra plusieurs remarques. On essaiera de synthétiser puisque le temps on est limité au niveau temps, donc on essaiera de synthétiser le plus possible pour aller droit au but, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Salam alaikum. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de mon retard. Avec mon ami, on est venu en voiture, donc on avait oublié qu'il y avait des travaux à l'extérieur. Donc je suis désolé par rapport à mon retard. Donc, salam alaikum à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier l'IESH qui m'accueille ce soir. On m'a proposé cette semaine de traiter un sujet. Une conférence et voilà, je me suis porté volontaire. Donc je voulais remercier également Sahadine, également Redouane, et également vous tous par rapport à votre présence. Donc moi, si vous voulez, ce soir, j'ai la mission de vous parler de la pensée de Malik ibn Nabi. C'est un sujet difficile, parce que si vous voulez, pour cet homme en tout cas, en particulier, il faut à la fois parler de sa pensée, mais de sa vie. Tant sa vie a nourri sa pensée que sa pensée a nourri sa vie. Et elles sont intimement liées. Donc en 45 minutes, je préfère vous prévenir, on va tous rester sur notre faim, moi-même compris. Donc moi, si vous voulez, mon propos ce soir, il faut le considérer comme une introduction à la pensée, à la vie de Malik ibn Nabi, et qui, j'espère, Inch'Allah, vous encouragera à découvrir ou à approfondir vos connaissances par rapport à Malik ibn Nabi. Donc je ne peux que vous le conseiller d'ailleurs, parce que moi-même qui m'intéresse à sa pensée depuis quelques années, au fur et à mesure des lectures ou des rencontres avec certains de ses disciples qui sont ici en France, j'ai l'impression à chaque fois de le redécouvrir, ou en tout cas tout du moins de redécouvrir certains aspects de sa pensée. Ces redécouvertes le rendent encore plus pertinent qu'il ne l'est déjà. Donc si vous voulez, mon propos se divisera en quatre grandes parties, avec une introduction où je rappellerai brièvement des éléments de sa biographie et de sa bibliographie. Donc en première partie, je reviendrai sur, si vous voulez, sa philosophie d'histoire, l'analyse historique qu'il fait de la civilisation islamique. En deuxième partie de mon plan, je parlerai de la problématique de la civilisation dans le monde musulman et dans l'Algérie. Et donc comment on passe, si vous voulez, d'une société où on fait la promotion, ou en tout cas
de l'entassement, de ce qu'il appelle l'entassement, à la construction d'une civilisation. En 3, je parlerai également, donc le cœur du sujet, c'est le renouvellement de l'homme post-almohadien au cœur du projet de civilisation de Malik Benhadi. Et enfin, en 4e, je parlerai des obstacles, les obstacles au renouvellement de l'homme post-almohadien. Je terminerai par une petite conclusion, Inch'Allah. On pourra commencer le débat, Inch'Allah. Donc, Malik Benhadi, il est né à Constantine, le 1er janvier 1905. Il obtient l'année scolaire 1921-1922, son premier diplôme à la Médersa. Et en 1925, donc je survole sa vie, l'objectif c'est pas de rentrer dans les détails, malheureusement on ne peut pas. En 1925, alors qu'il a 20 ans, il tente une première expérience en France. Donc il débarque à Marseille, il remonte à Lyon, il vient à Paris. Il essaie de trouver des boulots, notamment dans la sidérurgie, c'est là qu'il côtoie le monde ouvrier. Et donc ces conditions financières et matérielles précaires font qu'il revient en Algérie. Et en 1927, donc il devient Adel. Un Adel, c'est un auxiliaire dans le système de justice en Algérie du temps de l'Algérie colonisée. Donc son premier travail de Adel, il l'effectue à Aflou. Et à Aflou, notamment, c'est dans le sud de l'Algérie. Et il côtoie énormément de bédouins algériens, de gens qui ont vécu, si vous voulez, qui ont vécu en tout cas la désertification progressive, et en tout cas la montée vers le nord du désert. D'ailleurs, c'est l'une des premières questions qu'il posera au Cheikh Ben Badis, qui fut très étonné d'ailleurs par la question. Il attendait peut-être une fatwa. Et Malik Benhadi lui parle de la désertification de l'Algérie. Donc en 1929, il monte un business avec des membres de sa famille. Et donc ça n'a pas marché. La crise 29 étant passée par là, donc il se ravise. Et donc en 1930, il retourne en France, mais là pour poursuivre ses études. Donc aider financièrement cette fois-ci et de manière plus conséquente par son père. Donc il vient à Paris et pour s'inscrire à l'Institut des langues orientales. On lui signifie un refus, d'ailleurs un refus non motivé, alors que c'était un élève brillant. C'est un élève qui avait largement le niveau pour accéder à cette école, et on lui refuse. Peut-être que déjà on avait testé chez lui quelqu'un qui pouvait éventuellement contrecarrer les plans d'administration coloniale. En tout cas, il finira par s'inscrire donc à l'école d'électricité Soudria, dont il sortira diplômé en 1936, donc 6 ans après. Donc il termine ses cours et il enchaîne des petits boulots et en 1938, le conseil musulman algérien de Marseille lui propose un poste de directeur du centre culturel du congrès musulman algérien. Et donc il accepte et donc il va à Marseille et là il côtoie, si vous voulez, beaucoup de travailleurs algériens, mais maghrébins de manière générale, marocains, tunisiens également. Et donc il se lance dans un travail d'alphabétisation, et là il est en contact direct avec des ouvriers qui ont tout quitté derrière eux, qui sont venus travailler ici. Et il en ressortira grandi en tout cas de cette expérience-là, et d'ailleurs l'expérience était tellement intéressante, en tout cas porté tellement ses fruits, si vous voulez, à Marseille, que l'administration coloniale lui a signifié un an après qu'il fallait qu'il mette un terme aux activités de ce centre. Donc il y a la guerre en 1939 à 1945. À partir de 1942, il y a une perte de relations entre la France et l'Algérie. Il est contraint d'aller travailler en Allemagne, parce qu'il y a du travail là-bas. Pas du tout pour collaborer, mais parce qu'il y a du travail, il est contraint. Et donc là-bas, en Allemagne, comme seul livre le Coran. Et donc, c'est un lecteur assidu du Coran. Il rédige le phénomène coranique,
un livre qui le fera connaître, notamment dans tout le monde musulman et également par la communauté musulmane de France. Donc en 1945, la guerre se termine, et si vous voulez, il avait été témoin de beaucoup de collaborations, notamment de la part d'anciens ministres français, notamment Maurice Violette, qui était ministre sous le Front Populaire, et qui était, si vous voulez, maire de Dreux. Et lui vivait à Dreux, en fait. Il était marié avec une Française convertie, et donc sa belle famille habitait à Dreux, et donc il a vécu à Dreux, il a vécu notamment l'arrivée des Allemands, et la fuite de tout le gratin politique de la ville de Dreux, notamment Maurice Violette. Et si vous voulez, pour l'anecdote, il a failli se retrouver, peut-être dans l'histoire, ça a peut-être failli être le premier maire musulman dans une commune française, ce que même les Drouais ne savent pas. Et donc, si vous voulez, il s'est retrouvé à Dreux, et donc il y a un juif qui collaborait avec les Allemands, on n'a pas été que d'un côté, il y avait des gens qui collaboraient également, et donc il fallait rétablir le courant. Et c'était le seul ingénieur dans la ville qui restait. Et donc, ce juif dit aux Allemands qu'il y a un indigène qui est ingénieur. Donc ils vont le chercher, ils le réquisitionnent, et donc il rétablit le courant, et on est à deux doigts de lui proposer de diriger la ville. En fait, le premier adjoint au maire, donc de M. Maurice Violette, revient en catimini pour reprendre la ville. Et progressivement, tous les gens qui travaillaient à la mairie reviennent. Et donc Maurice Violette rencontre Malek Benhabi, lui dit « Bah, Malek Benhabi, vous êtes venu travailler avec nous ?» Il dit « Non, monsieur, moi j'ai été réquisitionné. Bah, » Cette simple phrase, elle lui vaudra, en 1945, de séjourner plusieurs mois en prison. Donc voilà, c'était pour l'anecdote. Donc en 1946, il rédige le phénomène coranique. 1947, un livre, Lebbeik, qui raconte l'histoire d'un homme qui part à la Mecque. En 1948, dans les conditions de la Renaissance, il développe sa théorie de la civilisation, Shorot Nimahda. Et en même temps, il commencera à contribuer à la fois, si vous voulez, dans le journal République algérienne de Ferhat Abbas, donc plutôt les nationalistes en Algérie, et également le jeune musulman de l'association d'Erbelama. Donc voilà, il était capable d'écrire dans ces deux journaux-là. Quelques années après, en 1954, il publie Vocation de l'Islam, qui avait été écrit quelques années avant. Deux ans après, il quitte clandestinement la France, parce que justement, il était sous surveillance en France, notamment par un intellectuel dont on connaît qu'une facette, Louis Massignon, qui était certes un grand anti-islamologue, mais en même temps qui collaborait beaucoup avec à la fois les services secrets et les services de la police en France. La fameuse Henri-Lecomte sur Paris. Il quitte, si vous voulez, clandestinement la France en 1956, parce qu'il y a... pour aller en Inde, pour justement, si vous voulez, parler de son livre, l'afro-asiatisme. Parce qu'il y a eu, si vous voulez, la grande conférence de Bandung, c'était le neutralisme, donc ni du côté des Américains, ni du côté des Soviétiques. Et donc lui, il a profité, si vous voulez, de cette conférence pour développer, si vous voulez, offrir une doctrine à ce mouvement-là. Finalement, il n'ira jamais en Inde et il atterrira au Caire et il côtoiera justement, que ce soit Nasser, que ce soit Sadat, dans les premières années justement de leur règne. Malgré tout, le fait qu'il soit au Caire, il a quand même proposé ses services en tant qu'infirmier militaire au FLN. Il a également proposé d'être historien, si vous voulez, de la Révolution, parce qu'il sentait que depuis 1954, il se passait quelque chose, et que, de toute façon, la libération de l'Algérie était inéluctable. Et on a refusé, si vous voulez, qu'il soit à la fois historien, qu'il soit à la fin de médecin. On l'a écarté, on l'a laissé au Caire. Donc voilà, entre 1957 et 1962, il anime un certain nombre de séminaires. Et à partir de 1963, donc un an après l'indépendance de l'Algérie, il rentre en Algérie.
deux ans, un an après, il est nommé donc au poste de directeur de l'enseignement supérieur. Et si vous voulez, de 68 jusqu'au 31 octobre 73, il animera un certain nombre de séminaires. Il formera un certain nombre d'étudiants chez lui, donc il donnera cours à la fois le samedi et le dimanche. Et donc on abordera tout type de sujets, d'ailleurs ses thèmes de prédilection, que ce soit la civilisation, la culture, l'homme, la colonisation, la colonisabilité. Donc je voudrais revenir sur certains traits de la personnalité de Benabi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Benabi, il a toujours été entre deux tensions à chaque fois, entre deux tiraillements. D'ailleurs, Sadek Selam, historien, en parle très bien d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a grandi à la fois à Tébessa et à Constantine. Donc à la fois Tébessa, c'était les Algériens rugueux, rustres, en même temps fiers de ce qu'ils étaient. Et en même temps à Constantine, c'était une ville raffinée. Donc il était à la fois, il a toujours été entre ces deux-là, entre ces deux tensions. Et également la tension à la fois de l'école coranique et l'école communale. Donc à la fois, si vous voulez, l'enseignement traditionnel de l'islam, des musulmans, d'une société musulmane, et à la fois l'école communale. C'est-à-dire l'école qui était sous administration coloniale. Donc, encore une fois, entre ces deux. Il y avait également, c'était quelqu'un qui avait une sensibilité littéraire, qui aimait énormément lire. Et en même temps, quand il vient à Paris, il se retrouve à étudier dans une école d'électricité, au point de devenir ingénieur. Et d'ailleurs, ce qu'il ne regrettera pas. D'ailleurs, il est beaucoup plus facile d'être dans une filière scientifique et de passer, si vous voulez, dans le domaine littéraire que faire le contraire. Et en tout cas, si vous voulez, dans son esprit un peu systémique, dans sa façon de schématiser, ça l'a beaucoup aidé. Comme quoi, il y a toujours du rêve, même quand on le voit, peut-être pas forcément au moment où on le vit. Il y a également le fait, quand il a été à Paris, il a été notamment à rue de Trévise, il a côtoyé énormément de chrétiens, énormément de non-musulmans, et il y avait un univers où il y avait beaucoup d'artistes, de gens qui débattaient. Et donc, il a pu à la fois se former dans un débat d'idées, on parlait déjà à l'époque de Tagore, il parlait également de Gandhi, et donc avec beaucoup de... Si vous voulez, il a appris le débat interreligieux, donc voilà, la connaissance des autres spiritualités, et en même temps, le fait également de parler de sa spiritualité. Donc il y a ce point-là, et en même temps, il y a le fait d'avoir milité avec le réseau des nationalistes maghrébins, parce qu'il y avait également à l'époque, dans les années 30 à Paris, des gens pour le Maroc comme Alan Fassi, il y avait également Messali Hadj pour l'Algérie, il y avait énormément de nationalistes, et eux par contre parlaient que de politique, parlaient énormément de politique. Donc voilà, débat d'idées, débat de politique. Il y a également le fait que durant toute sa vie, il a combattu le colonialisme, mais il a également combattu la colonisabilité. Donc à la fois, si vous voulez, les facteurs extérieurs à l'homme post-almohadien, mais également les facteurs endogènes. Facteurs exogènes et facteurs endogènes. Et ça, c'est très important. Et lui a toujours voulu, il n'a jamais voulu céder. D'ailleurs, le mot colonisabilité a été perçu de la part des nationalistes comme une traîtrise, comme faisant le jeu des colonialistes. Or lui, pour lui, c'était une démarche totalement musulmane. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qu'il y a dans son âme. Donc pour lui, si vous voulez, le colonialisme était là, il fallait le combattre, mais c'était d'abord la colonisabilité le plus important. Donc voilà, également le tiraillement entre le mouvement ouvrier à Marseille, le fait qu'il ait connu également les citoyens musulmans lambda, et le fait également d'avoir pu côtoyer les élites musulmanes, que ce soit Ferhat Abbas, Moun Menjel, que ce soit également Nasser, que ce soit Sadat, que ce soit également Ben Bella, que ce soit Boumediene, et même Kadhafi, quand il était plus jeune. D'ailleurs, il n'a pas forcément retenu la leçon. D'autres aspects également de sa personnalité, c'était quelqu'un qui observait énormément. Et en fait, si vous voulez, pour lui, il était capable de conceptualiser des théories à partir de ses propres expériences et de ses propres observations. Et lui, il avait une démarche à la fois spiritualiste, donc musulman, il l'assumait pleinement. Et pour lui, le Coran est un livre de référence, un livre d'inspiration, de créativité, et à la fois une approche historiciste. C'est-à-dire que pour lui, voilà, il était capable de, un petit peu à la manière d'Ibn Khaldoun d'ailleurs, il était capable, voilà, il avait une connaissance historique qui était pleine, et pour lui, tous ses combats s'inscrivaient dans une histoire. Il ne reprenait pas tout à zéro,
ces combats étaient repris, en fait, si vous voulez, et s'inscrivaient dans une histoire. Et également, voilà, le fait d'avoir vécu, le fait d'avoir été marié également avec une Française convertie à l'islam, le fait est que sa belle-famille n'était pas musulmane, d'avoir vécu également, d'avoir vécu dans le foyer, le fait d'avoir vécu en province, et également le fait d'avoir vécu en Algérie, fait que, voilà, il a toujours vécu dans ce tiraillement, et c'est pour ça que même quand il s'adresse vis-à-vis de l'Occident, il peut être parfois dur, mais en même temps, il y a toujours cette part d'humanité, et le fait de toujours, voilà, rester dans un juste milieu et équilibré. Donc voilà. Et donc, ouais, peut-être deux dernières choses. C'est, voilà, pour lui, cette notion revient très souvent dans ses écrits, c'est la notion d'efficacité. Pour lui, c'est son caractère scientifique. Un problème bien posé est un problème à moitié résolu. Et pour lui, c'est quelque chose de fondamental. On va jusqu'au bout des choses. Et c'est exactement sa méthode. Aller au fond des choses en faisant abstraction des choses et des modes. Lui, il n'est pas là pour faire plaisir. Il n'est pas là pour flatter. Il n'est pas là pour faire de la démagogie. Il est là pour faire de la science. Et ça a été très mal perçu, notamment par rapport à tous les politiciens qu'il appellera les politiciens, justement, pour de manière très caricaturale. Enfin, voilà. Et voilà, pour lui, en tout cas, une dernière chose, et je pense que ça peut même nous inspirer, nous qui vivons en France, pour lui, penser, c'est pas parler. Pour lui, penser, c'est d'abord voir et écouter. C'est d'abord voir et écouter. Et alors que lui, penser, écrivait, parlait. Mais pour lui, d'abord, c'est de bien ouvrir ses yeux et de bien écouter. Et de bien écouter, en tout cas. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il est à la fois historiciste et à la fois spiritualiste. Donc l'axe de sa pensée, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le verset coranique, la sourate 13, verset 11, « Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qu'il y a dans son âme. » Donc si vous voulez, il, d'emblée, c'est son postulat, il considère le Coran comme un principe biohistorique. Il y en a d'autres, il parle de théorie, d'autres théories issues des sciences humaines. Non, lui, il part du Coran et considère ça comme un principe biohistorique. Et qu'il ne veut pas considérer à la lumière de la foi en disant « oui, j'y crois parce que je suis musulman ». Ça, pour lui, il le met de côté, ce débat-là. Il y croit parce qu'il est musulman. Mais il va même au-delà. Il veut prouver ça par la raison. Et donc, il pose deux questions. Et c'est parce qu'il y croit, et c'est parce qu'il est pleinement convaincu, qu'il veut vérifier. Et donc il est dans une démarche scientifique, il veut vérifier si ce principe biohistorique est vrai ou pas. Et donc voilà, donc, les deux conditions qu'il se pose à lui-même, alors qu'il n'est pas obligé de le faire, il est musulman, il pourrait dire oui c'est vrai, il s'assure que le principe coranique est historiquement vrai, et la deuxième des conditions qu'il vérifie, c'est si son application au problème algérien demeure encore possible. Donc s'assurer que dans l'histoire, effectivement, ce principe est vrai, et si oui, est-ce qu'il est encore réalisable ? Et je ne peux pas forcément trop rentrer parce qu'on est limité par le temps, mais si vous voulez, il fera la démonstration que ce principe est historiquement vrai, pas que pour les musulmans d'ailleurs, mais pour la civilisation occidentale, par rapport au christianisme, et également que l'application demeure encore possible. Et c'est ce qui le rendra d'ailleurs toujours, tout au long de sa vie, très optimiste. Donc, si vous voulez, à partir de là, il va faire, si vous voulez, une analyse, là j'en passe au premier point, il va faire une analyse historique de la civilisation musulmane. Et pour lui, la civilisation islamique ou musulmane, elle passe par trois grandes phases. La première, c'est la genèse de la civilisation. Donc c'est la phase de l'âme. Et elle commence pour lui de la révélation jusqu'à la bataille de Siffin. Donc à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation, jusqu'à la bataille de Siffin entre les partisans de Muawiya et les partisans du calife Ali. Et donc pour lui, il y a une véritable cassure à ce niveau-là. Donc il y a cette première phase. Il y a la deuxième phase qui est la phase de la raison. La phase de la raison, j'en parlerai après. Et il y a également la phase de déclin. Là, je vais parler de la genèse et de la phase de l'âme. Pour lui, si vous voulez, à partir du moment où l'idée coranique
arrive dans la société Quraïchite, une société Quraïchite qui était divisée entre tribus, qui était complètement atomisée. Et lui dit qu'à partir du moment où il y a l'idée coranique qui arrive, et qui est un miracle, qui arrive dans la société Quraïchite, par l'intermédiaire, et qui est diffusé dans la société Quraïchite par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se passe quelque chose. Et les trois premières années, pour lui, l'idée coranique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, forme un groupe, parmi les historiens, disent une cinquantaine de personnes, c'est une prédication plutôt discrète. Ce fameux noyau dur sera là contre vents et marées. Et c'est la première expérience d'un changement véritable, de la synthèse entre un homme, le sol et le temps. L'idée, en fait, si vous voulez, coranique, qui façonne l'âme des premiers musulmans arabes. Et on voit progressivement, durant ces 23 années, un peuple de commerçants, un peuple qui vénérait plusieurs idoles, tout d'un coup s'unir autour d'une seule divinité, avoir des envies justement de faire de la dawa, d'apporter, c'est-à-dire de s'ouvrir aux autres, alors que les Arabes n'étaient pas du tout dans cette démarche-là. Tout d'un coup, on voit un élan spirituel dans la société Quraïchite, et les Arabes qui étaient divisés deviennent une nation, et de cette nation, progressivement, on en fait une civilisation. Donc pour lui, c'est de là que part la Genèse. C'est l'idée coranique qui vient à un moment donné dans une société et qui fait la synthèse entre des hommes, entre une terre, le sol et le temps. Et il y a un changement qui se passe et c'est là qu'on voit les Arabes avoir des envies justement, les premiers musulmans avoir des envies justement de s'ouvrir aux autres et d'avoir des envies d'universalisme. Et ça, Malik Ben Abi dit que ça vient de l'idée coranique. C'est ces nouvelles motivations qui sont intégrées dans la tête des premiers musulmans. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la phase de la raison. C'est à partir de là que va commencer pour lui l'apogée de la civilisation. C'est la fameuse bataille de Siffin. À partir de là, pour lui, il y a un élan spirituel qui est cassé par Mouawiyah. Et d'ailleurs, il aura des mots très durs par rapport à Mouawiyah. Dans un de ses textes, il l'appellera le demi-converti. Et donc, si vous voulez, je vais citer également un de ses passages par rapport aux conditions de la Renaissance, pour vraiment vous sentiez également l'amertume qu'il avait. On a l'impression qu'il le vit encore, alors qu'il y a 14 siècles qui sont passés quand même. Donc cette date, je cite Ben Abi, cette date qui semble avoir été peu remarquée, sinon par l'histoire des idées schismatiques dans le monde musulman, est cependant une date capitale, car elle marque le tournant temporel de l'islam, et à peu près la fin de son épopée spirituelle. C'est-à-dire, à un certain égard, le commencement de sa décadence, où tout du moins son signe précurseur. La civilisation n'évolue plus en profondeur dans l'âme humaine, mais à la surface de la terre qui exercera sur elle désormais sa terrible pesanteur depuis les confins de la Chine jusqu'à l'Atlantique. À partir de Siffin, c'est la phase expansive, en quelque sorte marquée tout au long de noms illustres comme Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Batani, Ibn Rushd, jusqu'à Ibn Khaldun, dont le génie mélancolique éclairera le crépuscule de la civilisation musulmane. Donc, à travers ce passage, on sent quand même cette véritable amertume. Et c'est vrai que même encore aujourd'hui, quand on étudie la bataille de Siffin, on a une démarche uniquement historique, dans le sens où on s'attarde uniquement aux faits, en disant il y avait tant de personnes, il y avait Amr ibn al-As qui soutenait Mouawiyah, il y avait un tel qui soutenait le calife Ali, il y avait les Khalijis. Mais si vous voulez, lui, il est déjà dans une interprétation de l'histoire et les conséquences que cet événement a sur la suite des événements. Et donc pour lui, il ne s'extasie pas quand il voit toutes ces découvertes de la part des musulmans, quand il voit, si vous voulez, quand on lui parle de Ibn Sina, quand on lui parle de,
Ibn Rushd, quand on lui parle d'Abu Hanifa, quand on lui parle de tous ces grands noms, si vous voulez, tous ces grands de la main, il ne s'extasie pas, parce que pour lui, déjà, dans sa philosophie de l'histoire, c'est déjà le début de la fin. On est déjà dans la consommation. L'élan spirituel a été brisé. Là, on ne fait que consommer. Et ensuite, il y a le déclin. Donc, si vous voulez, cette fin de raison a paru la bataille de Siffin, et pour lui, elle s'arrête après la dynastie des Almohades. Après la dynastie des Almohades. Pour lui, c'est la dernière dynastie, en tout cas dans le Maghreb, qui a essayé d'unir les musulmans. À partir de là, donc la chute des Almohades, et également, à quelques années près, également la chute de Bagdad par rapport au califat des Abbasides, pour lui, il y a un véritable tournant. Et à partir de là, si vous voulez, progressivement, la société se désagrège. Finalement, l'homme musulman sort de l'histoire. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle le déclin de la civilisation. Et c'est à partir de là que lui développe deux concepts. Pour parler justement de la société musulmane décadente et de l'homme issu de cette société qui est décadent. La société post-almohadienne et l'homme post-almohadien. C'est-à-dire que lui, dans sa philosophie d'histoire, il situe la décadence à partir de la fin de la dynastie d'Al-Mohad. À partir de là, progressivement, il y a, si vous voulez, il n'y a plus ce que Ibn Khaldoun parlait le concept de Ibn Khaldoun, quand il parle de la rassabilia, il n'y a plus cet esprit de corps, il n'y a plus cet esprit de solidarité. Et progressivement, tous ces éléments disparates qui faisaient une société se désagrègent. Et progressivement, on en revient, voilà. Il y a une espèce de recul, si vous voulez, de la citoyenneté musulmane, et on en revient à des citoyennetés secondaires, comme l'identité tribale. Et progressivement, voilà, toutes ces sociétés-là redeviennent des sociétés tribales. Avant la révélation, il y avait énormément de tribus. L'idée musulmane a unité, a été le ferment d'unité, et a permis justement à ces gens-là de dépasser cette identité tribale. Et plus cette idée recule dans la société, moins elle donne envie justement de se surpasser, et progressivement, on voit un certain nombre de tribus, de gens qui finalement, il y a une espèce de repli identitaire par rapport à leur identité tribale. Et donc finalement, voilà, il y a des juxtapositions de tribus, et progressivement, on arrive à un état de colonisabilité. C'est-à-dire que l'homme, il est, pour Malik ibn Nabi, l'homme, à partir de ce moment-là, il sort de l'histoire. Et il devient colonisable. Et c'est une donnée fondamentale dans sa pensée, la colonisabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lui-même, c'est un homme qui ne croit plus en rien. C'est un homme qui ne considère plus rien, qui n'a plus envie et qui est sorti de l'histoire. Et à partir de là, progressivement, on arrive dans une étape de colonisabilité qui va précéder en fait la colonisation. Et pour lui, et c'est ce qui lui vaudra énormément de soucis avec la classe politique de son époque, c'est que lui dit que si on a été colonisé, c'est parce qu'on a été colonisable. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas critique vis-à-vis de la colonisation, mais que lui, à la limite, ça ne le regarde pas. Lui, il parle de la colonisabilité. Et là, avec toute la fierté et cette confiance de musulmans, tout simplement. Oui, on peut changer les choses. Les choses changent, les choses évoluent, et on peut à nouveau changer les choses. Et donc, progressivement, ben, on en arrive à la colonisation, et pour lui, donc à l'émir Abdelkader, donc progressivement, il en arrive à l'Algérie. Pour lui, l'émir Abdelkader, et jusqu'à le Abdelkrim Khtabé au Maroc, si vous voulez, progressivement on met fin, sans le vouloir, avec la colonisation, qui est venue quand même secouer ces sociétés tribales, qui étaient redevenues tribales, finalement pour lui le colonialisme a eu du bon, à son insu. Si vous voulez, le colonialisme a secoué, si vous voulez, cette société-là, et progressivement, juste de l'émir Abdelkader jusqu'à Abdelkrim Khtabé, finalement, cette société tribale se désagrège. Et progressivement, donc avec Cheikh Ben Badis, Cheikh Al-Ibrahimi, Al-Urbi, qui eux ont été, qui ont été étudiés justement dans le dans le dans le
dans le centre, dans le monde musulman oriental, et qui ont été initiés, qui ont pu étudier justement et qui ont pu échanger, s'approprier également toutes les idées réformistes qui avaient pignon sur rue dans les sociétés égyptiennes, syriennes, notamment avec Jamaluddin Adrani, Mohamed Abdou, Al-Kawakibi et autres. Et donc, si vous voulez, ces gens-là reviennent et l'administration coloniale voit d'un très mauvais œil ce retour. Et ils fonderont l'association des Al-Ulama. Et d'ailleurs, une anecdote, l'administration coloniale, pendant plusieurs années, c'est elle qui organisait le pèlerinage à la Mecque. Et on s'assurait également de voir qu'un tel ne rencontrerait pas un tel. C'est-à-dire qu'ils avaient une vision d'ensemble et on voyait qu'il y avait des idées qui émergeaient dans le monde musulman oriental et on voulait, et la France ne voulait surtout pas que ces idées-là d'islah, de réforme, d'ijtihad reviennent, en fait, si vous voulez, soient partagées dans ces sociétés maghrébines, du Maroc à la Tunisie. Donc, pour lui, voilà, c'est l'apport, il est extrêmement admiratif de l'apport de l'association des Al-Ulama. Parce que pour lui, si vous voulez, ils ont entrepris un travail de réforme, un véritable travail de réforme. D'ailleurs, à l'époque, il constate qu'entre 1920 et 1925, il y a énormément de débats. Il y a des gens en Algérie qui sont partisans du kémalisme, parce que ça a fait ses preuves en Turquie. C'était plus l'Empire ottoman. Il y avait des adeptes de l'Algérie française. Ferhat Abbas l'a été pendant longtemps, avant de se rétracter ou avant de changer d'avis. Il y avait également des partisans du wahhabisme de l'époque. Il y avait également des partisans du nationalisme, comme les Salihaj. Donc il y avait quand même une véritable émulation dans la société algérienne. Lui a pu baigner dans cette ambiance-là. Et avec tous ces courants de pensée, pour lui, le seul qui fait véritablement un travail en profondeur, il ne rejette pas les autres, et ceux qui font un véritable travail en profondeur, c'est le mouvement islamiste, le mouvement de Cheikh Ben Baz. Et je peux le citer, d'ailleurs, dans les conditions de la Renaissance. Il dit, l'islamisme formule clairement le principe doctrinal, Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci n'est d'abord changé son état d'âme. Donc, il faut se renouveler. Ce fut d'abord le leitmotiv et la devise de toute l'école islamiste, issue de Ben Baz. Les congrès des Ulama indiqueront les bases de ce renouvellement nécessaire à la Renaissance. Il faut reprêcher l'islam aux musulmans. Il faut abandonner les innovations pernicieuses, les idoles, il faut s'instruire. Il faut agir, il faut reprendre la communauté musulmane. Et le travail que Ben Baz fera avec l'association des Ulama, c'est de créer un certain nombre d'écoles dans tout le territoire algérien. Et de lutter justement contre le maraboutisme, contre le virus maraboutisme. Et en cela, pour lui, voilà, l'association des Ulama fait un véritable travail de réforme. Et là, on est dans des prémices de ce qu'il appelle un début de cycle de civilisation en Algérie, dès 1925. Donc pendant 10 ans, ils font un travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement de Al-Ulama, il était à la fois en Algérie, mais également en France, à Paris. À Paris, il y avait énormément de partisans du mouvement islamiste. En 1936, il y a ce qu'il appellera un deuxième sifil, né en Algérie. C'est-à-dire que l'association des Ulama, en qui il avait placé énormément d'espoir, parce qu'il faisait un véritable travail d'éducation, de réforme, il s'attaquait à l'âme humaine, l'âme du musulman, finalement retombe dans un autre virus. C'est-à-dire que pour lui, on passe d'un virus maraboutique, pour lequel l'association des Ulama a lutté, à un virus politique. C'est-à-dire que 1936, il y a le Front Populaire qui négocie avec le congrès musulman algérien. Et dans ce congrès musulman algérien, il y a l'association des Ulama qui fait partie de la délégation qui va à Paris et qui rencontre Léon Blum. Et pour lui, il leur fera même le reproche. Hein. Euh,
c'est une véritable dynamique qui se casse. Et il le prend vraiment pour lui, et c'est là qu'on voit que c'est un homme sensible, dans le sens où, pour lui, voilà, c'est un véritable gâchis. D'ailleurs, il ne mâche pas ses mots, et il n'a pas hésité à leur dire. Pour lui, le mouvement islamiste devait rester au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée, ne pas rentrer dans le jeu politique. Rester dans cette réforme de la société, la réforme des individus. Et il a constaté également, une chose également, c'est que malgré même le fait de participer, et malgré leur action salutaire, même quand ils sont rentrés dans ce congrès musulman algérien, ben, ils faisaient un complexe. Ils faisaient un complexe face à des gens comme Ferhat Abbas, Boumendjel, dans le sens où, finalement, ils maîtrisaient plus les codes que les propres membres de l'association du Yablan. Et il a vraiment trouvé ça dommage, et il prendra progressivement du recul avec tous ces mouvements, et dont le mouvement islahiste. Et donc pour lui, le mouvement islahiste n'a pas été à la hauteur de toutes les espérances, et n'a pas été jusqu'au fond de la réforme de l'individu. Et donc pour lui, il en est convaincu, dès 1936, que le problème de l'Algérie et du monde musulman, c'est un problème de civilisation. Et il en donne une définition singulière, je vous la cite. La civilisation est la possibilité de remplir une fonction. C'est l'ensemble des conditions morales et matérielles qui permettent à une société d'accorder à chacun de ses membres l'assistance nécessaire. L'école, l'atelier, l'hôpital, l'organisation vicinale, la sécurité sous toutes ses formes, le respect de sa personne. L'individu se réalise grâce à un vouloir et un pouvoir qui ne peuvent pas être les siens, mais ceux de la société dont il fait partie. C'est une construction, une architecture, un ensemble harmonieux de choses et de notions avec leur liaison et leur place déterminée. Un tel ensemble ne peut être conçu comme un simple entassement, mais comme la réalisation d'une idée, d'un idéal. Donc pour lui, il y a deux piliers de la civilisation, c'est le vouloir et le pouvoir. Et le vouloir précède le pouvoir. C'est-à-dire que d'abord, et c'est prouvé d'ailleurs dans toutes les par rapport à toutes les civilisations, tous les peuples qui ont fait l'histoire, d'abord il y a une association d'individus qui veulent et qui se battent pour un idéal. Et pas que pour les musulmans d'ailleurs, tous les peuples. Il y a cette asabiya entre un groupe de personnes qui sont là et qui veulent. Et le pouvoir, donc les moyens, n'arrivent qu'après. Mais il faut d'abord vouloir. Il faut d'abord vouloir, et ensuite, le pouvoir viendra tout seul. Et ça fait le lien avec « voulez » et « Dieu voudra ». Et Dieu réalisera. Donc voilà. Pour lui, la civilisation engendre ses produits. C'est parce qu'on veut la civilisation qu'on produira des produits qu'on veut. Ce qu'il reproche à toutes les sociétés musulmanes, et donc les sociétés post-almohadiennes du Maghreb, c'est de vouloir faire une civilisation en achetant des chars blindés à la France, en achetant, si vous voulez, des produits qui ont été fabriqués en Occident. On les achète et on pense qu'en les entassant, finalement, on va faire une civilisation. Or, une civilisation, c'est pas ça. Une civilisation produit des produits dont elle a besoin. Avant que les chars arrivent en Algérie pour servir les Algériens, ils ont été conçus par rapport à une conception du monde, par rapport à une civilisation qui voulait dominer le monde. Donc finalement, on construit des chars parce que ça répond à une logique. Donc nous, on n'importe pas la logique. On importe juste le produit. Parce que finalement, il y a une espèce de complexe par rapport des musulmans, en tout cas à l'époque, et je pense qu'il perdure encore aujourd'hui, c'est cette fascination par rapport à l'aspect matériel de la civilisation occidentale. Alors qu'il y a d'autres choses. Il y a un esprit qui sous-tend justement toutes ces innovations, toutes ces créations. Et Benabi, dès la fin des années 40, peut-être l'un des seuls à penser cela. Et l'un des seuls à penser cela, et malheureusement, il prêche dans un désert. Donc, il répond également, il ne fait pas que dire, voilà, il faut juste une civilisation, comme il y en a beaucoup aujourd'hui qui nous disent, il faut une politique de la civilisation. Il va au-delà, parce que c'est son esprit scientifique. Il dit comment faire, et il met en place, justement, une véritable recette. Il y a une recette qui est encore appelée. Pour lui, à la base, avant toute civilisation, il y a trois richesses.
trois richesses permanentes. Celles-ci, elles resteront toujours. C'est l'homme, le sol et le temps. Mais pour donner du liant, si vous voulez, un lien solide, et pour faire synthèse, il faut l'idée religieuse. À partir du moment où il y a l'idée religieuse, et qu'il y a l'homme, le sol et le temps, il y a civilisation pour lui. Donc, je ne sais pas combien j'ai ici, mais ça prend un peu de temps, mais encore 10 minutes, d'accord. Donc. Donc voilà, j'insiste bien sur cette synthèse-là, si on veut comprendre la théorie de la civilisation de Malek Benhavi, c'est cette synthèse entre l'homme, le sol et le temps. Et à la limite, l'élément le plus important, c'est l'homme. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait de l'homme post-amour.